quel âge il a notre petit Lenormand? Il va souffler sa 70e bougie au mois de février prochain. Pleine forme. En pleine forme. Alors, c'est une initiative qu'on a souvent suivie à Télématin tous les deux ans. La bonne ville de Saint-Amand-les-Eaux. Saint-Amand-les-Eaux, département du Nord, pas très loin de Valenciennes, la bonne ville de M. Boquet, organise une soirée avec 500 choristes. Il y a les 40 chorales du département, de la région, qui viennent sous l'égide de Madame Pascaline Thibault. Pascaline Thibault, chef de chœur, c'est vraiment quelqu'un, vous allez la voir. Mmh. Elle met toute son énergie dans cette manifestation. Mmh. Il y a quelques années, nous avions vu Nicoletta chanter avec 500 choristes. Il y a deux ans, souvenez-vous, ils avaient rendu un hommage à Sacha Distel, et c'est Nicole Croisy qui avait chanté les plus grands standards de Sacha Distel. On y va chaque année. On y va tous les deux ans. C'est tous les deux ans, parce que c'est un boulot de fou. 500 choristes qui reprennent le répertoire d'un artiste par définition populaire, dont les chansons sont rentrées dans la mémoire collective, et c'est le cas de Gérard Lenormand. Je pense que les historiens, les sociologues, dans quelques années, lorsqu'on voudra comprendre ce qu'ont été les années 70, plutôt que des longs discours fastidieux... 70, Gérard Lenormand, ou 60 ? 70. Ouais. On réécoutera les chansons La France de Valéry Giscard d'Estaing. Vous écoutez les chansons de Gérard Lenormand, vous avez toute l'ambiance, toute l'humeur de cette décennie-là. C'est 74. C'est la fin des années Pompidou, c'est la fin du pompidolisme. Et Gérard Lenormand, la chanson qu'on vient d'entendre, c'est 71. C'est la fin des années Pompidou et le début des années Giscard d'Estaing. Là, il était là, alors super ému, Gérard. Vous imaginez, 500 personnes qui vous donnent l'obade. Et à la fin, c'est ça donc, qu'on voulait voir, c'est la rencontre. Il monte sur scène et chante avec les 500 choristes. C'était très émouvant, c'est avéré. Il chante un petit panel de son répertoire. Alors là, lui, s'ils avaient pris tous les tubes, vous en aviez pour 5 heures à peu près. Oui. Parce que tellement donc, les succès sont nombreux. Mais là... Donc là, ils ont fait 2 heures. 2 heures, c'était bourré. Et lui, il en chante combien? Lui, il en a chanté une quinzaine avec eux. Quand même. Mais avant, il y a eu la chorale des enfants et puis la chorale des seniors. Il y a 500 choristes toujours qui sont là. Toujours avec le même répertoire. Toujours avec le... C'est une soirée Gérard Lenormand. Vous avez l'intégrale de Gérard Lenormand, chantée d'abord par les choristes et ensuite avec lui. D'accord. Regardez ça. Et moi, je chante, oui. Je chante, je ne sais faire que ça, de tout mon désespoir, je suis heureux. Gérard, entendre ces chansons chantées par 500 choristes, ouais. Qu'est-ce que l'on ressent? Pour moi qui suis peut-être un petit peu trop sensible, je ne sais pas, c'est de l'émotion d'abord de voir tout ce travail qui a été fait sur des chansons qui sont à toi et tu dis mais c'est pas possible. Michel, un soir on descend. En fait, j'ai dû faire des sacrifices. J'ai dû choisir parce que toutes étaient vraiment adaptables au chant choral. Donc il a fallu faire un choix parce qu'un spectacle déjà de 2 heures, ça représente déjà pas mal de travail. Et que Gérard, de son côté, m'a dit « faut pas en faire trop ». Tu verrais le programme qu'elle avait prévu au départ, on y serait encore. Voici les clés de ton bonheur, il n'attend plus que toi. Appelle-moi si par bonheur. Comment vous expliquez qu'autant de succès, pour la plupart écrits dans les années 70-80, soient à ce point entrés dans la mémoire collective? Tu sais qu'on m'a fait une réputation, il est chiant. Je vais t'expliquer. Être chiant dans notre métier, c'est être pointilleux, donc pointu. Ne rien laisser au hasard. Un mot, une phrase, une virgule. Tu vois, tout ça, un soupir dans l'expression, etc., etc. Je suis très fier d'avoir été un des artistes les plus chiants de France. Je viens te chanter la balade, balade des gens. On vient te chanter la balade des gens heureux. Qu'est-ce que ça vous fait, Gérard, quand vous apprenez aujourd'hui qu'on apprend certains de vos textes, non seulement dans les écoles, mais qu'on les étudie aussi dans les collèges? Oui, et puis dans les écoles étrangères. Qu'est-ce que vous ressentez? Tu sais, je suis un enfant, moi. Hein. Et c'est bien pour ça que c'est bien pour ça que je vous pose la question. Je suis tout content, mais c'est pas de la gloire, c'est... Putain, c'est beau. Voilà, parce que ça, c'est ça la réussite pour moi. La balade des gens. Heureux.
Ça, tu veux déménager, ça. Alors, ce qui est amusant, c'est que non seulement c'est la fête de l'artiste qui est célébrée, ouais, mais c'est la fête de la ville. C'est-à-dire que tout Saint-Amand-les-Eaux vit vraiment durant ces quelques mois de préparation, ouais, sous l'égide de Pascaline. Vous avez vu, ouais, c'est quelqu'un. Là, c'est la prof de musique qu'on aurait aimé avoir au collège. À mon avis, on n'aurait pas séché avec elle. Ouais. Et vraiment, donc, toute la ville est là, toute la région est là, autour, d'accord, de ce répertoire-là. 500 choristes qui font la fête et c'est vraiment une soirée réussie, comme chaque fois. Donc, rendez-vous dans 2 ans. Hein, on met ça dans 2 ans. Vous êtes adjoint au maire maintenant, depuis le temps que vous êtes là-dedans. Non, mais j'ai les clés de la ville, j'ai la médaille. Enfin, vous faites adjoint culturel à la mairie de... Oui, il faudrait que j'aille à Saint-Amand à chaque fois. C'est loin. Un petit peu loin quand même. Hein. Bon, merci beaucoup, madame, monsieur, bonne route. On se retrouve dans quelques instants. Alors, on fait un point sur la circulation, le journal, la météo, et après vous revenez. Ou vous restez d'ailleurs, c'est mieux. Sweet, sweet,